peux nous lever tes petites mains et sortir s'il te plaît, merci. Mais vous êtes fous ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi je suis un gars, je veux pas de problème moi. Allô la police, oui je suis pris en otage. Ah je rigole, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Nique ta mère. Ok, eh ben je vais venir, je vais tout buter. Bon écoute-moi bien, tu vas percer, tu te dépêches. En fait quand tu me dis le mot caca, il rigole regarde. Putain c'est un rose. Allez tue-moi, c'est pas possible, il va me tuer là. Non, pas ici, pas ici. Confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière. Toc toc toc. Là que 2 secondes. Faites-le sortir là, celui qui vient de rentrer. Tu peux attendre dehors s'il te plaît? Ah ouais, pourquoi? Parce qu'on discute, entre nous. Réunion de famille. Ok, ça dit quoi? Regarde la visite de Making là, taxé à 1,5 million mes couilles. Comment ça taxé à 1,5 million? Comme d'hab là, le truc de la drogue, ils veulent faire monter à 1,5 million pour nous. Du coup c'est quoi la suite là? Tu sais là, les mecs en rouge là. Non. Les Southskins, c'est ça hein? Southside. Ceux qui étaient là hier soir qui bossaient pour Making, ils ont toujours pas été payés, ils veulent faire une rébellion. Mais mes couilles là aussi. Contre Making? Ouais, tu sais hier ils étaient avec Making. Ouais. C'est eux qui nous ont soulevé, blablabla. Bla, bla, bla. Là aujourd'hui. Faut se les garder dans la poche. Non, eux c'est, ça se voit qu'il y a une couille. Ils soulèvent mes gars et après ils demandent ouais Making et tout. Et alors? Moi, je ne bosse pas avec des fils de pute qui ont buté Salva. C'est pas les rouges qui ont buté Salva? C'est ceux qui ont ils ont participé. Ils ont contribué. Ils ont fait leur choix. Ils ont trouvé ça Making. Et maintenant ils veulent plus bosser avec Making parce qu'ils ont pas payé. Mes ennemis sont mes amis. C'est pas la même philosophie de vie en sachant qu'à tout moment ils nous baisent. Ouais, donc il y en a un chez eux qui va y passer dans tous les cas. On a un ennemi commun. Ouais. Dans une arme. Ah, Red, j'ai vu. Et puis je m'occuperai d'abord. T'as vu Red? Ouais, il était là il y a 5 minutes. T'as dit quoi? Roder les AK, les Uzi, blablabla. Quoi, il est en mode vous avez travaillé avec vous ou pas? Il est toujours en mode ouais, on travaille, nanana, vous faites les taxes. Vous voulez payer, vous faites vos livraisons. Mais j'y crois pas là au truc des Southskins là. Je pense juste que c'est un piège et voir si on veut encore les baiser. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est qui s'est fait soulever? Jesus. Venez, on y va, on écoute. Non, moi si j'y vais là, c'est d'abord pour les soulever et ensuite je parlerai avec eux. Non, parce que si jamais tu les écoute. Si jamais tu les écoutes, ben peut-être qu'ils vont te dire un truc d'intéressant, tu vois. Alors que si jamais tu les soulèves avant, moi je pense qu'il vaut mieux écouter puis soulever plutôt que soulever puis écouter. Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait eux, Jesus? Ils t'ont soulevé, ils t'ont tiré dessus et ensuite ils t'ont parlé. Pourquoi ils t'ont fait ça? J'étais en moto et ils me suivaient. J'ai fait une connerie, je me suis pris une voiture. Ouais. Je suis tombé, ils m'ont mis dans le coffre, ils m'ont emmené à un endroit et tout, ils m'ont menacé avec un couteau, poing américain et club pied de biche. Mais pourquoi dès le départ ils t'ont menacé en fait? Je sais pas moi. Ils m'ont dit ouais, on a des questions à te poser. Ok. Du coup ils m'ont dit quoi? C'est ça, ils m'ont parlé de Making. Ils m'ont dit ouais, ils nous ont pas payé hier pour vous baiser, j'aimerais faire une guerre avec eux, on aimerait s'allier, patati patata. Après ils ont pas kiffé ce que j'ai dit et c'est tout. Ils m'ont dit ouais, 200 pochons pour ma vie. Et puis ils m'ont libéré. Moi j'ai des choses à remettre en place avant de les laisser parler. Si toi tu veux faire ça, y a pas de problème. C'est ton truc. Moi par contre de mon côté j'ai un problème à régler. Mais ils vont quand même. Il y a un truc qui est important que Making il a dit hier, il a dit si vous avez commencé à travailler avec moi, jusqu'à la fin vous travaillez avec moi, mais je crois qu'il y a un nouveau groupe qui arrive en ville. Maintenant la question c'est est-ce que eux ils travaillent déjà pour Making? Tout le monde bosse pour Making. Non, pas tout le monde. Tu parles de quel groupe? Ça c'est de ton côté. Ok. Bon vas-y, bah, fais ce que vous avez à faire. Prends mon numéro. 7604. À tout à l'heure. Ciao. Allô? C'est quoi ce délire là? Je t'ai pas vu depuis 2005 là, depuis l'abolition du logo bijeté. C'est toi, tu viens pas travailler? Quoi? Je travaille tous les jours, je donne mon cul dans cette entreprise et toi avec ce pognon tu vas taper des gros culs dans les îles britanniques et tu fais... Oh là là. À chaque fois, en plus, conseil, c'était pas la police hier, elle m'a appelage. Ce soir, elle m'a appelage. Où est-ce qu'il est votre patron? Il est portage disparu. Moi j'avais mon sgeg qui... J'avais... Il y a un bugué. Ouais. Croche à mon gros nez capable d'aspirer non, du CO2. Quand tu passes, ça parle trop longtemps au téléphone, après je t'entends plus. Ma queue. Du coup, je disais que depuis hier, je te recherche à Sion parce que la police a dit que tu étais porté disparu. Mais, gros, et moi, je me chiais dessus. Je suis là à chaque fois, hein, mais juste, je te vois pas au concesse. Je te vois pas travailler, je vois personne travailler. T'es au concesse, ah, là bon. Bah, bien sûr que je suis au concesse. Je suis pas une concesse. Ouais. Mais je suis au boulot. Non, je suis au boulot. Je suis passé il y a pas longtemps. T'es un menteur, je suis au boulot. Ok, non, c'est bon, tout va bien, t'inquiète. Tu veux te faire découper le crâne là? Tu vas un dégradé au coupon? Je peux te faire ça, chacun là. Tu t'es coiffeur, toi? Bah, non, je suis concessionnaire. Tu sais, y a qui est ouvert comme coiffeur là? Ouais, je connais un petit coiffeur, tu veux que je l'appelle à Sion, mais je crois qu'il a des petits pro-kipos en ce moment là. Bon, vas-y, je vais me débrouiller, t'inquiète. Ouais, bah, et tu fais quoi là? Bah, rien, je zone. Ah, tu te branles les couilles? Ouais. Ok. Ouais, ok. Vas-y, bon, ça marche. À toute beaucoup, Simer. Ouais, bisous. Vas-y. Ça, c'est un vaillant, mais il fait mal au crâne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est quoi, c'est des bloods ça? Attends, mais y'a un mec là-dedans là. Quoi? Ouais, laisse. Oh! Oh! C'est ma gueule ou quoi? Oh! Il est tout seul. Et wesh! Yo man, ça va quoi? Ouais, man. Mais pourquoi il part? Pourquoi tu fuis? Tu
peux nous lever tes petites mains et sortir s'il te plaît, merci. Mais vous êtes fous ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, on va pas te faire de mal si tout se passe bien. Tu rentres dans le véhicule, tu donnes ton téléphone, ta radio et tu rentres. Oh non, mais j'ai d'autres trucs à faire moi, putain. Regarde s'il a une arme, le thé s'il te plaît. Tiens, donne-moi ça, ouais nickel. Vas-y, j'allais m'embrouiller avec vous. Pourquoi avec nous? Eh, parce que l'autre, il me klaxonne et après, il part. Ah, bah on aura tout le temps de communiquer alors. Vous êtes qui, vous? Pas besoin de te dire qui on est. Vous êtes des bloods? Non. Wow. Retire ça de ta bouche, s'il te plaît. Retire ça de ta bouche, ça nous énerve, ça, par contre, vraiment. Pourquoi, vous êtes quoi? Southside, man. Southside bloods. Liberty City, non. Arrête de parler de blues, s'il te plaît. Mais vous avez la même couleur? Non, pas la même, non. Et du coup, quoi? Donc, vous avez la même, vous avez pas la même? Mais du coup, quoi? Ça, même si on est en rouge, et du coup. Je sais pas, c'est comme si t'allais en jaune, fait comme les Vagos. D'accord, et du coup. C'est pareil quoi. Et du coup, une couleur t'affilie à un gang? Bah, je sais pas, y'a des gangs qui ont marqué l'histoire quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais ça ne t'affilie pas automatiquement à un gang. Je peux prendre mon téléphone? Je n'appelle pas la police, promis, j'appelle pas la police. Et bon, bien évidemment, non, bien évidemment. Je peux répondre, je réponds, regarde, t'écoutes ce que je dis. C'est quoi, je te fais confiance, je te laisse. Je fais confiance, t'inquiète pas. Bon, je suis un gars, je veux pas de problème, moi. Allo la police, oui, je suis prêt en otage. Ah, je rigole, c'est pas vrai, attendez, il répond pas. Je vais devoir te casser le cul. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Non, en vrai, tout va bien. Mais parce que j'avais prévu de faire un truc, mais je sais pas si t'étais chaud, toi. T'auras le temps après de le faire? C'est quoi? Un truc de fou. Dis-moi. Là, je peux pas te dire là. Comment ça, tu peux pas me dire? Là, y'a des gens autour là, je peux pas te dire. Ah, c'est chaud pour toi ou pas? Non, rien à voir. Juste, après, est-ce que t'es chaud ou pas un truc de fou? Ouais, on fait un truc de fou, je suis toujours chaud. Ok. Vas-y, dépêchez-vous. Mais là, je vais aller niquer des South King. Ouais, parfait, moi je vais faire un petit braquage là pendant ce temps. Ok, tu vas faire un braquage, bah pas de problème. Bah vas-y, à toutes. Tiens, je te rends mon téléphone. Merci. Vous habitez où? Nord-Ouest. Ça n'a pas de sens d'être la Southside. Pourquoi? Tu sais que la ville, c'est dans le sud de l'île. Vous êtes au nord de la ville? Au nord-ouest de la ville du bas, tu sais. Non, mais y'a pas de gang dans le nord. Y'a des bikers quoi, c'est tout. Je t'ai dit qu'il y a pas de gang dans le nord. Ça existe le Northside? Ouais. Non, je crois pas. Ah, ok. Vous travaillez pour Riyad ou pas? Qu'est-ce que tu racontes? Vous travaillez pour Riyad ou pas? Je ne connais pas de Riyad, man. T'es qui en fait? T'es qui toi comme mec en fait? Je suis mécano. Oh, mais vous travaillez pour Riyad ou pas? Je ne connais pas Riyad, man. Je veux pas te. Ah, tu connais pas Riyad? Ok, bah dis-moi, c'est qui le chef de chez vous? C'est moi. Menteur. Quoi? Comment ça, menteur? T'as fait logis là? Comment t'as fait logis là? Tu sais même pas s'il y a des mecs dans le nord et tu me dis que t'es le chef? Mais j'étais au téléphone quand tu disais ça, man. Je t'ai pas écouté. Y'a des Northside du coup? Non. Mais alors pourquoi vous appelez Northside? Pourquoi vous appelez Southside, pardon? S'il y a pas de mecs dans le nord? L'histoire est faite que on était dans le sud à Liberty City. Attends, voiture. Ok. C'est comme ça. À Los Santos, il n'y a pas dans le nord, non? Ok, bah vous pouvez juste vous appeler Side. Nique ta mère. Ça venait du cœur, ça, je reconnais. Je vais vous appeler les sides. Mais vraiment qu'on plante. Mais en plus, appelle-nous pas. Side, ça veut dire côté alors que vous êtes en plein milieu de la ville. Non, on est à l'ouest, je t'ai dit. Ouais, monte. Mais pourquoi vous appelez pas la west side? Ouais. Je suis sûr que tu veux qu'on te plante en fait ou tu veux qu'on te bayonne. Ouais, c'est bon, parfait. Franchement. Attends, vas-y, laisse-le finir ce téléphone. Bon, allez, dépêche. Tu parles à qui? Pas droit. Dépêche. Il fait trop le fou, il fait trop le fou. J'ai envie de te parler. Vraiment. Attends, c'est bon, raccrocher. Ok. Je vais te donner deux raisons pourquoi il faut que vous vous renommez. Parce que déjà, vos initiales, elles sont bizarres. Je vais m'énerver. Mais quoi? Je te dis qu'on vient de Liberty City, ça vient de Liberty City. Oui, mais Southside, les initiales, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Pourquoi? Bah, SS, tu vois, c'est chelou. Si oui, êtes... mais y a Southside Hood. Oui, mais y a H après. C'est Southside Hood, ça fait SSH. Mais si vous êtes de la Westside, bah, vaut mieux ça fait Westside, ça a beaucoup plus de flow. Mais tu comprends toujours pas, coup, bien de Liberty City. Mais d'accord, mais Westside, à la limite, tu le revendiques, mais tu t'appelles pas Westside. Attendez, mais vous êtes un gang ou des gitans? Comment ça, vous venez de Liberty City, vous avez migré? Comment ça, gitans, là, je t'ai pas dit qu'on a migré, je t'ai dit qu'on est venu casser des culs ici, c'est différent. Pourquoi vous arrivez pas à casser des culs dans votre ville? Si, parce que c'était déjà fini, ça, c'est bon. On a laissé des mains là-bas et on est venu ici. Ah, vous êtes en pleine conquête? Tu connais. Ok. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis mécano, moi. Ah ouais, ça se passe bien. Ouais, ça va. Mais du coup, je travaille pour Ryan. Non. Braquage, c'est la Ryan qui t'a demandé de le faire? Bon, nique ta mère. Tu commences à m'énerver. Juste réponds. Je ne connais pas de Ryan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Vas-y, jure la vie de ta mère. Je te jure la vie de ma mère. Ta merde? Non, ma mère, j'ai dit. Dis la vie de ma mère. Mais tu crois que t'es qui à m'imposer des trucs là, je comprends pas. Non mais juste ça en fait, tu vas, viens bayonne là, il fait trop. Non, bayonne pas, s'il te plaît. Ah bah alors ferme là alors, dis pas des questions inutiles. Tu connais pas Ryan? Je connais pas. Du coup moi, comme j'ai dit, ceux qui sont dans la banque vous venez, les autres vous allez autour. Je suis un très bon otage, j'ai fait ça souvent. Non, je sens que tu vas consommer et que tu vas m'énerver là. Mais non, comment tu t'appelles toi? Attends, c'est qui le chef? C'est toi là? Pas moi, man. Attends, c'est lequel? Pourquoi vous fuyez tous? Vas-y, on va pas rester là devant la banque. Venez. C'est qui le chef? Venez, avance. Vas-y, rentrez. Fous-toi à l'intérieur là. Venez au fond. Salut, toi aussi t'es otage? Vas-y, foutez-vous. Vas-y, au fond. Moi je t'appelle. Il est né, toi?
Je m'appelle Karim. Mettez-vous là les mains, s'il vous plaît. Ok, je m'en mets là. T'aimes bien le trottage? Pas trop, non. Moi, vraiment pas. Moi, j'aime bien. Ah ouais? Ouais. Le cas, tu les gardes. Bah, on se sent important un peu, tu vois. Ouais, faut encore que la LSPD vienne nous sauver, quoi. Mais ils viendront nous sauver, la LSPD, j'en fais confiance. Ouais, bien sûr, ils vont venir. Comment tu t'appelles, toi? Moi, c'est le cas. Le cas? Toi, ouais, le cas. Ok, je peux m'appeler le cas. Ok, je peux t'appeler double K? K double rotor, c'est mieux. Double K, je t'appelle. Double K? Ouais, double K. Non, j'aime pas, parce que double K, tu sais très bien ce que ça fait, double K. Ça fait quoi? Non, ça fait caca. Tu rigoles, là. Eh, vas-y, fous-toi contre le mur là, retends-toi là, dépêche-toi. Pardon. Putain. Double K, va voir un peu à boire s'il te plaît. Après, je vais mourir, les flics ils vont vous faire un assaut, je serai mort. Eh, c'est pas d'un rien. Non. Tiens, merci. Je peux pas dire qu'on s'occupe pas de toi. C'est vrai. Comment tu t'appelles déjà? Merci. Audi. Ah, Audi? Audi. Tu regardes le mauvais. Ah, là? Ouais. Ça va? Non, je stresse absolument pas. Tu stresses pas? Absolument pas. Moi, ta place, je stresserais un peu, je pense, hein. Non. Pourquoi tu veux stresser, man? Bah, ça fait peur. De quoi qui fait peur, man? Bah, braquage. Vas-y, reste au fond, s'il te plaît, déjà. Retourne contre le mur, là. J'aime pas que tu te rapproches trop de moi, là. Toi, tu vas aller aux toilettes, s'il vous plaît, ou pas? Ouais, je vais aller aussi, moi. Attends, vous avez dit quoi, là? On va aux toilettes. Vous croyez que. Eh, vous allez vous retenir, hein? Attends, vous allez T'as vu, c'est un menteur, il a dit qu'il s'occupait bien des otages, normalement. Ouais. Quoi? Si vous voulez bien nous occuper, bah, imagine. Ouais. On doit vraiment faire pipi, quoi. On va faire pipi dessus, après. T'as vu pendant la course poursuite, après. La pistole, imagine, je dois m'arrêter pour faire pipi. Bah. Écoute, c'est pas ma vessie. Double K. Non, car. K, jusqu'à K ou K double rotor, mais pas double K, j'aime pas. K. Parce que ça fait KK. Triple K, je t'appelle triple K. Non, oula, non. Oula, ok, toi, je t'appelle. T'es malade. Simple K, c'est bon? Ouais, bah, c'est sur K, c'est bon. Vas-y, simple K. Vas-y, oh, carré. Je peux faire pipi? Tu veux pisser? Hey, c'est quoi? Mais attends, y'a pas de toilette, man. Je suis désolé. En vrai, je t'aurais bien fait pisser, mais y'a pas de toilette, man. Mais la pof, Elena, elle va faire comment? Mais oh, pisse dans. Je sais pas. En plus, regarde son. Attends, regarde, c'est quoi? C'est le mongol. Écoute, pas moi là, y'a des casiers là. Bah, en fait, le problème, c'est que je voulais rigoler avec mon ami, mais jusqu'au moment où. Tranquille, on t'a trouvé un nouvel ami. Parle avec lui, tu vois. Vous allez rigoler bien. Vous voulez rien? Pour être sûr, vous voulez du temps, d'accord. Après, c'est un flic qui parle là? Juste regarde, je bouge pas, regarde. Non, man. S'il te plaît. Tu veux choisir tes yeux, regarde, je regarde et je te passe l'information. Dépêche-toi. Là, je te jure, je suis bien. Tu m'as fait peur, toi, retourne au fond là. Retourne au fond là. Ok. Oh, un palace! C'est qui? Mais où nous? Ça babouche. Tout le monde. Restez tous ensemble. Ah, ok. Y'a pas de rébellion, les manas. T'inquiète. C'est pas à tout moment là, ça me prend, ça me pull up à l'intérieur de là-bas là. Croyez-moi, ça va partir en couille. Hey Kane, ouais. Y'a un meilleur masque que moi. T'as vu de ouf. Putain, les familles ils sont otages ou ils sont? Non. Ils nous ont braqué nous. Ah, mais comme c'est une réunion de gang là ou c'est. Je sais pas, mais y'a beaucoup de gang là. Posez pas de questions, vous êtes des otages. Allez au fond, les balasses, allez au fond du mur, mettez-vous bien au fond du mur, écoutez le monsieur, sinon il va nous niquer, ça se voit, il est trop méchant. Mais toi t'es otage, je suis otage, je parle. Ah, ok, pourquoi tu me dis d'aller se mettre au fond? Bah, parce qu'il est. Ça se voit, il est trop dark, double K. Ah, tu l'aides? Bah, ouais, il le supervise. Ça se voit, c'est son premier braquage. Tu l'entraînes, c'est ça? T'as un double K? Tu stresses ou pas double K? Non, ouais, je suis un peu stress là, je t'avoue. Quoi? Ça va aller double K? J'ai pas envie de te faire peur, j'ai pas envie de faire peur là. Ça va aller. Je te promets, ça va aller double K. Ok, c'est bon. Et quoi, vous avez fait un braquage avec les familles? Quoi? Eh, c'était zoné ou pas? Non. Bah alors. C'est histoire de faire la discussion. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu me fixes? Tu parles à qui? À toi. Mais pourquoi tu m'embrouilles alors que j'ai un. Mais tu me fixes? J'aime pas quand tu me fixes. Mais je voulais savoir ce que t'avais fait, comment t'es fait pour ta coloration. Vas-y, change moi. Ça m'intéresse. Bah, chez le coiffeur. Ouais, t'as payé combien? J'ai payé, je sais pas. Je pense que t'auras assez avec le braquage. Ok, ça marche. T'as l'air de te faire chier là, tu veux pas les percer pour moi? Non. Et si je te le demande avec un Glock sur la tempe? Ça me ferait chier, mais je dirais oui, mais franchement. Franchement, ouais. Regarde eux, ils sont costauds. Non, mais en vrai, c'est vrai que eux, toi t'es pas mon otage, donc t'es pas. Ouais, moi je t'ai pas mon. Pas moi. Ouais, t'es pas de ma juridiction. Ouais, ouais, moi aussi. Tu les as trouvés comment les tiens d'otages? Ouais, dans la rue, man. Dans la rue? Ouais. Bref. Et tu réfléchiras maintenant parce que. Vas-y, moi j'ai une perceuse, je te casse pas, j'aime pas percer. Tiens, le balas, à défaut d'être intelligent, tu vas percer pour moi. Voilà, Tilly, bouffon balas. Oh, babou, j'ai pêché toi. Attends, c'est mon otage, c'est mon otage. C'est mon otage. Mais nous, on est les meilleurs otages, nous. Non, le mien il est meilleur que toi. Ouais, pas de ouf. Il sert le café, tu sers le café toi? Bah, non. Bah, voilà. Moi, ouais. Lui il sert le café. Te jure, on est plus gaulerie que nous. Non, les miens les plus marrants. Les Southside, ils ont les meilleurs. Je te jure que les miens ils sont meilleurs. Le mien il est meilleur. Eh, man, tu veux percer un truc, regarde lui, les mécanos, il te le perce en deux. Ah, bah, c'est vrai, t'es mécano. Non, je suis RTT. J'ai mal au poignet. Viens avec moi, viens me tenir la poche, Kane, je suis pas bien. Mais encore. Viens, là, voilà, va tenir la poche. Vas-y, bâche. Dépêche-toi, je vais tenir la poche. J'ai mal à l'épaule. Viens, on va se mettre là-bas tranquille devant la fenêtre. Voilà, va tenir la poche plus loin là. Va tenir la poche plus loin, voilà. Bon, du coup, il me faut un mec pour percer là. Comment tu t'appelles, ton beau gosse? J'ai pas trop pour habitude de donner mon prénom à un mec que j'ai en otage dans une banque, tu vois. Vous avez des blases de gangsters? Qu'est-ce qu'il me dira pas que tu vas valer le pookie au flic juste après? Bah, rien du tout, mec. Bah, voilà, donc je vais pas te le donner. Mais tu peux. Je suis en familise, si tu veux me revoir, c'est où je m'habite, hein. C'est pas très compliqué. Je veux demander parce qu'en fait, on a pris la géographie au balas. C'est où Forum Drive? Ma bouche. Il termine. Ma bouche. Devant l'unicorne. Voilà.
Forum Drive, Tremberlin, Chaubéry, tu peux demander 100k, c'est mon blaze. Ok, eh ben je vais venir, je vais tout buter. Je rigole, je te jure, je rigole. Je te jure, je rigole. Vraiment, c'est une blague, c'est tendu dans l'atmosphère. Alors, normalement, c'est. Pour l'atmosphère, c'est tout. Ouais, ouais, l'atmosphère, ouais. Je t'ai dit, t'es pas de ma juridiction. Bon, Babouche, il me faut que tu me perces ce truc là. Je peux pas percer. Tu le braques, braque-le et dis, ferme ta gueule et va percer maintenant. Mais je. Ce sera pas du perçage de bonne qualité. Alors que l'autre, il s'est pas fait tirer dessus. Bon, écoute-moi bien, tu vas percer, tu te dépêches. C'est quoi ton blaze à toi là, le comique? Karim. Ok, Karim, y'a moyen, tu te remettes contre le mur avant que je m'énerve, s'il te plaît. Ok. T'as vu, Karim, tu peux. Tu peux bouger tes bras. Et sinon Karim, je vais te faire essuyer le sol pendant que je ramasserai l'argent. Hein. Pardon. Et du coup tu fais. Et du coup la petite elle parle pas. C'est quoi ton blaze à toi? Si si, je parle Elena. Et toi c'est Karim, c'est ça? Karim, Karim le mécano, je m'appelle. Karim le mécano. Vas-y, tu vas aller faire coucou à la police. Merde, vas-y, bah reviens, on est les deux otages là. Ah, toi, ouais. Pas moi. Attends. On est otage. Ferme ta gueule, vas-y, avance. Oh mon dieu. Libérez-nous, là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Vous allez bien, messieurs? Ouais, ça va. Arrête pas de chialer. Vous en frappez ou pas? Libérez-nous. Non, mais s'il continue à chialer, je vais le frapper, papa. Arrêtez de pleurer, messieurs. Gardez votre sang-froid, respirez. Ils vous ont fait aucun mal? Ils nous traitent bien. Ils nous traitent bien de ouf, bien de ouf. Eh bien, ne vous inquiétez pas, monsieur. On va vous sortir de là, d'accord? Arrêtez de chialer. C'est faux. Ça y est, j'étais là. Libérez-nous. Cavalquez. Les flics, ramenez-lui des mouchoirs là, parce que ça commence à ramener des mouchoirs. T'as vu comment, je vous ai dit que j'étais chaud en otage. Hein. Mais quoi, t'es mécano ou t'es acteur? Mais non, mais j'ai déjà fait plein de fois otage, c'est pour ça. Ah d'accord, c'est comme ça, ok. Ouais, j'ai dit contre le mur, Karim, les contre deux le mur. Otages, venez là. Le mur, c'est ton ami, si t'es pas contre le mur, je considère que t'es pas. Les deux otages qui sont pas présentés là, venez là. Vas-y, madame, là, fais un petit peu en arrière, madame. Bah bouge, ok, désolé. T'es en train de marcher sur mon cœur. On est trop serré là, ça me casse les couilles là. J'avoue, attends, je suis claustrophobe. Voilà, je vais respirer. Après, il aime bien tenir les poches, le petit. Non, mais en vrai, t'as déjà vu des performances comme la mienne? Bon, les deux autres. Bah, en vrai, ouais, t'as pleuré quoi. T'as pensé à quoi pour pleurer? Bah, rien, j'ai fait. Non, mais t'es une victime à pleurer. Merde. Moi, je pleure pas, moi. Incroyable. Mais non, mais c'est pour que les flics, ils nous sauvent. Ah, qu'ils y croient. Okay, pas mal, okay. Pas mal. Mais attends, mais vous êtes des gangsters, vous? Eh ouais, monsieur. Et là, vous êtes des victimes. Ouais, c'est nos victimes, ouais. Pourquoi tu parles mal? C'est pas gentil, là. Mais de toute façon, déjà, les balas, vous êtes le gang de la honte, vous. Parle mieux, pas du tout. Pas du tout. Oh, t'as vu toi, comment tu t'appelles déjà, non. Toi Sanka. Eh, je te jure, les balas, c'est le gang de la honte. Vraiment. Mais pas du tout, pas du tout. Non, vraiment. Trop chaud, vraiment, on est vraiment. Fort. C'est vraiment le gang de la honte. Ça va mieux, c'est bon. T'as le sourire, t'as la banane. Non, mais moi, c'était de l'acting. Mais vous êtes vraiment le gang de la honte. T'es un acteur. On est pas bon. Toi, tu parles à qui là? Big acteur, toi. Non, je parle aux balas. Ah, ça marche. Non, vous êtes bon. De toute façon, vous êtes bon, vous. Mais les balas, le gang de la honte. Bobby, laisse-moi gérer les otages. Ouais, ça marche. Eh, les balas, vraiment. Vous commencez à comprendre ce qu'on vous a dit. Il y a même un otage, un mécano, il se fout de votre gueule. Faites un effort. Non, vous êtes éclaté au sol, les balas, sérieux, reprenez-vous. Faites un effort. C'est qui les balas? C'est eux là. Mais parle mieux, comme ça tu sais qui les balas, c'est nous. Mais si tu revendais des couleurs, ils seraient peut-être au courant, quoi. Pas te connaître, hein. Je sais pas, normalement, les balas, c'est les boss. Beaucoup quand même. Vous êtes les boss du caca. Toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui pour. Nous, au moins, on est des boss, mais toi, t'es rien, toi. Non, toi, t'es juste un caca. Mais moi, je sais pas d'être un boss, tu vois ce que je veux dire. Les otages, attends. Moi, je suis Karim, okay. Le mécano, wow, ça n'a rien à voir. Wow, Karim, c'est bien marrant, mais pas dans la compétition. C'est pour faire une plunge là. Mais vous voulez que je vous baisse tous les deux ou c'est comment? Genre, pardon. C'est des otages là. Donc, pardon, les blagues sur les cacas, ça va 5 minutes quoi. Non, quitte à vous faire des punchlines, c'est un truc. Voilà, faites un battle de punchline. Mais non, mais c'est pas. Non, franchement, les balas, c'est le gang de la honte ou pas? Mais t'as que ça dans ta bouche, ça truc. Il a que le mot gang de la honte, mais pas du tout. Non, mais pourquoi t'es là, Donovan? Moi? Karim? Non, toi, c'est Karim. Donovan, c'est avec son truc de basketball. C'est carré. Moi, parce qu'en fait, en gros. Jure, t'appelles Donovan. Non, je m'appelle pas Donovan. Si, dorénavant, tu t'appelleras Donovan. Toi, t'es un balas, toi? Mais bien sûr, c'est un balas. Mais toi, ça va, t'es pas trop honteux, toi. Attends, mais y'a personne qui perce. Pourquoi y'a des honteux plus simples quand même? Bah. En gros, tu vois, si tu devais faire une tier list de la honte, genre les balas, vous serez goth. Pourquoi tu nous humilies comme ça? C'est gratuit, on te connaît pas, je te connais même pas, tu nous humilies comme ça. Non, mais rien que votre OG, c'est une belle merde. Non, par contre, parle-moi de OG, c'est l'ancien du groupe, pas marrant. Si tu me touches, les familles, ils vont te buter, que je suis otage. Malin, il est malin, il est malin. Oui, mais regarde, s'il me tape, je dis que c'est vous qui m'avez tapé, donc du coup, il peut pas me taper. Comment ça? Non, mais. Eh ouais, tu m'étonnes, j'ai quand même des caméras dans la flicot. T'as pas compris, toi, t'es pas l'otage du familisme. Moi, je suis l'otage du familisme, donc si je te tabasse, l'otage du familisme va rien me faire, moi. Kane, ferme ta gueule et viens me tenir la poche. Je me sens trop seul. Viens me tenir la poche. Viens. Vas-y. Viens là, je me sens seul. T'es une petite chienne, Kane. Toi, on va se retrouver, parle mieux. Allez, viens. Non, Elena, sérieux, les balas, c'est le gang de la honte ou pas? Ferme ta gueule, tiens-moi la poche. Après, si tu le dis. Et tu vous avez galéré à trouver d'otages ou c'est comment? Tu fais quoi dans la vie, Elena? Travaille à l'armurerie. À l'armurerie? Ouais. Ah, mais c'est ce que je me disais.
Toi, t'as habillé en licorne. Moi, je suis Karim le mécano. Toi, t'as habillé en licorne, toi. Et vous, vous travaillez en fait, je vais juste faire une blague et au final. Bah, elle a bien tourné ta blague. Hein. Oh, super. Chanta, tu t'appelles toi ? Non, moi c'est 100K. 100K ? Il y a double K et il y a 100K. C'est fou ce que t'es drôle, Karim. Non, mais c'est une vraie. Non, c'est pas une vanne. Hein. Ah, c'était pas une vanne. Non, il y a 100K, c'est moi, c'est tout. Il n'y a pas de 200K, il n'y a pas de 300K. Il y a un mec des ça aussi, il s'appelle double K, c'est pour ça. Non, 100K, c'est pas une histoire d'argent. Lui, il s'appelle double K. T'as dit quoi ? Je te cache pas que la coupe de cheveux me fait mal au cœur. Je t'ai déjà dit, c'est pas double K, c'est K, simple, c'est bon. Double K, ça fait vraiment un burger. Mais double K, surtout, ça fait caca et j'aime pas, tu vois. Regarde, il dit caca, il rigole lui. Regarde comment il se tape une barre, tu vois. Vas-y, elle retourne dans le corner là. Caca. C'est vraiment une autre merde. Viens voir, s'il te plaît. Tu parles à moi là ? Comment là ? Pourquoi ça rigole ? Ah, Audi, occupe-toi de lui, s'il te plaît. Je suis allé avec quoi ? Mon braco, t'es sûr ? Tiens-moi la prochaine. Là, elle est sous ta gueule. Non, il a rien fait. Non, j'ai rien fait. Si, elle se fout de ma gueule, clairement, dire. Pourquoi tu rigoles là ? Parce qu'en fait, là. Il s'appelle double K. Non. Tu vois, en fait, quand tu dis le mot caca, il rigole, regarde. Je suis le putain de cerveau, mec. Mais t'es complètement fonceur, moi. Tu vois pourquoi j'ai même pas envie de me filer ou pas ? C'est moi. Pourquoi tu rigoles ? Caca, y'a. Je sais pas. T'as dit par où on a fait la vie ? Non, c'est. Tu remontes la poche, ferme ta gueule, mais ça y est, tu m'énerves, ça y est. Tranquille, on a un meilleur mercato otage que vous, hein, par contre. On est en train de libérer. Le nain, il est dépressif, l'autre il a une femme. Je suis vraiment le code des otages. Attends, c'est pourquoi 100K, toi, du coup ? C'est quoi l'histoire ? Tu m'as dit 100K, ça a rien à voir avec l'argent, c'est pour ça, du coup, c'est quoi ? Non, c'est juste comme ça qu'on m'a appelé quand j'étais petit, j'ai gardé mon blaze, c'est tout. Pourquoi ? Toi, on t'appelle Karim. Bah, pourquoi t'appelles Karim, toi ? Bah, parce qu'on m'appelle Karim le mécano, parce que je m'appelle Karim et que je suis mécano. Bah, moi, on m'appelle 100K parce que quand j'étais petit, on m'appelait 100K. Mais non, ça a pas de sens. Bah, ça a pas de sens. Et est-ce que moi, je te demande si c'est un sens que tu sois mécano ? Bah, Karim le mécano, et on m'appelle Karim le mécano, oui, ça a du sens. M'appelle Karim, je suis mécano. Ouais, mais du coup, c'est comme ça qu'on t'appelle, gros malin. Mais moi, on m'appelle 100K parce que je m'appelle 100K. Ça a pas de sens. C'est le nom qu'on m'a donné. 100K, c'est quoi ? C'est 100 avec un K ? S-A-N-K-A. Toi, tu penses 100K à l'argent ? Ah, bah, c'est 100K du coup. Ouais, SNK, 100K, mais comme tout le monde, comme en fait, tu vois, ici avec des SNK. Non, je suis quelqu'un, je m'attache très vite. Non, je parle pas de l'attaque beaucoup des titans, ce que t'es en train de faire. Je parle de. Et clairement, je vais faire tout le maximum pour qu'on se revoie, mon ami. Ah, 100K. Ok, et ben, à partir de maintenant, je t'appelle 100 double K. Mais faites sortir les autres, moi je garde Kane avec moi, je prends trop de plaisir. Appelle-moi 100K. Faites sortir là les deux otages, du coup, là, les deux là, c'est bon. 100 double K. Nous, on en a un qui est en train de pisser dans le coin, donc on aura qu'un seul. T'as compris ou pas, Ah merde. Les deux là. Ça fait 100 K. Vas-y, viens là, le mécano. Il est dans la joie de vivre. Non, il est là, lui, il est heureux. Il est plus heureux. T'es content d'être ici, moi ? Oh putain, jour, on libère lui, enfin, vas-y. Et toi, t'as de la chance, hein. C'est toi devant la porte, là, bouge-moi. Vous me libérez dès là ? Ouais, on te libère déjà, t'as de la chance. Reste ici. Non, mais gardez-moi un peu. Gardez-moi un tout petit peu, wesh. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je sais pas, on s'amusait bien. L'otage, il dit qu'il vous devait aller niquer vos mères. Quoi ? Si vous dites le mot carotte, je pleure. Brocoli. Un mot à dire, je pleure. Bon, on rend carotte là. Vas-y, carotte, va là-bas. Va là-bas. Tu peux pleurer, mais va là-bas, va pleurer dans les oreilles. Vous pouvez aller vers l'ambulance. Ça va ? Allez, on se calme, on monte dans la voiture et on garde son calme, bordel. Ça marche, merci. Bonsoir, monsieur, expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez ? J'ai rien. Vous avez pas une douleur, rien ? Non, rien. Ils m'ont très bien traité. Et niveau mentalement ? Est-ce que vous stressez ? Vous ? Non. Bon bordel de merde, est-ce que tout va bien ? Vous avez besoin de l'eau, du pain, quelque chose ? En vrai, moi j'ai même pas besoin d'être hospitalier. Oui, mais vous devez. Excusez-moi, monsieur, mais vous devez faire l'eau de déposition, y'a pas le choix, bordel. Je veux pas porter plainte. Oui, mais c'est pas une plainte, c'est une déposition. Je veux pas déposer. Mais t'as pas le choix. Oh ! Attendez, les braqueurs, ils m'ont gardé mon téléphone et tout. Excusez-moi, les braqueurs. Juste... Maintenant que. Monsieur, mon téléphone et ma radio, s'il vous plaît. Vas-y, tiens, casse ta grand-mère là. Mon arme, s'il te plaît. Tiens. C'est vraiment pas le moment, monsieur, d'accord ? Ah, j'ai la flemme hein, de faire la déposition et tout. Si je cours, ça paraît très suspect. Ouais. Ça donne quoi ? Ça y est là, j'étais un peu otage là, et là ça y est, je sors. Ah, t'étais dans ce truc là ? Ouais. Ok. T'es au courant ? Bah écoute, j'ai réussi à en choper un grâce à ça. On en a chopé un de chez eux là, on va contre-braquer leur braquage de merde. Je vais les forcer à me donner 200 plaquettes de drogue et ensuite on repartira sur de bons Ah oui, c'est vrai, c'était les Southside. Bah oui. Eh oui, du coup, il y en a un qui est juste derrière ma caisse là et il va faire un petit tour avec nous en attendant qu'il se pète. Attends, je sais qui c'est leur OG. C'est qui ? Leur OG, il a un bandana rouge. Ouais. Il a des rides sur le front. Ok. Et une veste rouge, genre militaire un peu, je crois. Il faudrait que je me rapproche pour le revoir. En fait, j'ai oublié. Genre, tiens, en mode. Il a cheveux noirs avec. Un bandana rouge. Ils sont combien dans la banque par hasard ? Ils sont pas beaucoup. Ils doivent être en tout, ce qu'il y a Familis plus South, mais ils sont pas trop copains. Ils doivent être 7-8. Ok, on est 12, tous armés. On les baise ?
dégradé de doudoune rouge. Ok, dégradé, bandana et une doudoune rouge. Ok, ils sont en train de faire quoi là? Ils sont toujours dans les phases de négociation? Ouais, ouais, ils sont toujours en phase de négociation. Parfait, je vais les taper. C'était quoi le truc que tu comptais faire? Je peux pas vraiment tirer à vote là. Tu veux le faire ce soir? Je vais garder un effet de surprise, ouais. Ok, mais ce soir en tout cas. Ouais. Donne-moi une pause et je vais mettre un masque là à la tête d'abord, du mec. D'abord, on fait ça là et après, je te dirai. Ok, bah tiens-moi au jus. Tu sais quoi? Je te donne par message la fréquence et tiens-moi au jus de qu'est-ce qu'ils font quand ils partent de la banque. Vas-y. Si t'arrives à les suivre, c'est parfait, comme ça je les contrebraque. Vas-y, c'est bon. Tiens, je vois rien de là. Bloqué, aucune vanne. C'est pas possible, frère, c'est. Wesh, c'est une Lotus ou c'est un tank devant moi là? Je sais pas s'il m'a grillé. Monsieur, sur le côté haut. Bah ouais, mais il y a des bouchons. Il m'a dit que je voulais pas porter plainte. Mais vous n'avez pas le choix en fait. J'ai le droit. Pour moi, ce que je vous ai dit. Je connais mes droits, monsieur l'agent. Je vais pas rester. Vous caray, alors tu me donnes les coordonnées. Oh. Tenez, 7604, monsieur. Karim le mécano. Voilà. Essayez de pas déranger l'opération avec votre camion. J'essaye. Ouais, ils sont partis. Vas-y, dis-moi si t'arrives à les suivre. Ils sont partis et moi je suis en camion, frérot, donc non. Ok, on va se démerder, t'inquiète. Ouais, laissez passer les filles. Ouais, ça va, beau gosse. Tourne à gauche. Mais manqué. Ouais, toi aussi. Ils sont toujours devant le parking central. Buffalo, il y a une voiture Buffalo rouge derrière qui vous tue. Non, c'est bon en fait. Aïe. Merde. Tiens, j'ai voulu faire à la gauche alors en même temps. Voilà. Attends, je suis passé derrière. T'es vous en rouge? Non, justement, on cherche des Buffalo rouges. Il y en a une qui est passée derrière moi, mais elle se fait courser par les flics là. Pas loin du concesse. T'aimes bien conduire? Ouais, ça va, j'aime bien. Toi, t'aimes bien quand je conduis? Oh là, bah moins là maintenant. Pourquoi t'as un poil? Prenez vos victoires. Je suis tordu parce que si on va me reconnaître. Sirène, laisse. Faites raf, remonte, sirène. Oh bagnole de flic, tapez la bagnole, tapez. Pas au PC, pas au PC. Ah, remontez. Ah, ok, super, c'est trop drôle. Merci, joyeux Noël à vous. Ouais. Joyeux, oui, super. Faites l'info. S1, j'ai zappé. Je suis juste derrière si jamais moi, hein. Je peux l'enfermer là. Petit biscuit, bloqué. Vas-y, tranquille, c'est qui le petit biscuit? Le rouge s'est arrêté au tacos. Il vous reçoit derrière vous central. Là. Hein. Il est repassé vers parking central, les gars. Devant l'hôpital en direction parking central là. Oh, messieurs! Ouais. On peut vous offrir 3 minutes de bonheur? Vous voulez nous sucer? Franchement, pas loin là. Tarfala. Ouais, pas. C'est pas fou, c'est pas exactement ça, mais presque. Vas-y. Oh, le boys band, vous êtes chaud ou quoi? Noir, c'est noir. Je vais me faire strike, je crois. Alors, ça s'est bien passé? Comment ça, tu parles de quoi, man? Bah, le braquage, j'étais votre otage, wesh. Vous êtes con, ah, quoi, jure. Mec. Vous avez fait une collab? C'est pas une collab, disons qu'en fait, ils voulaient tester qui étaient les meilleurs et tu sais qui c'est les meilleurs maintenant, c'est tout. Qui c'est qu'ils voulaient tester? Tu veux pas que je te donne mon adresse, mon nom, mon compte bancaire et mon groupe sanguin? Ah, aussi. C'était un autre mec encore au-dessus de vous. C'est ah, mais c'est toi, toi, t'es mon gars sûr, toi? Je sais pas, attends. Ça dépend ce que t'appelles ton gars sûr. Attends, mais... est-ce que c'est toi? Je crois que c'est toi. Bon, tu cherches qui? Ma nounou pendant le braquage. Non, moi je m'occupais pas de mecs comme toi. Moi j'étais occupé des autres. La nounou de l'autre. C'est ça, l'autre handicapé, ouais. T'es sans double K. C'est possible. Ok. Toi, double K. Je t'appelle pas Kakarim, moi. Mais ça fait, c'est Kaka. C'est rigolo, Kakarim. Double K, c'est Kaka. Ils comprennent que t'es masqué. En tout cas, ce qui est bien, Karim, c'est que t'as des potes, ils ont la même façon de penser que toi. C'est plaisir. Ouais, c'est cool. Le même humour, quoi. C'est le fils de Kakalvin, non? Non. Ce qui est Kakalvin. Toi, t'es aussi marrant que ton pote, ça fait plaisir. C'est quoi ton nom à toi? C'est le même humour. C'est quoi ton blaze à toi? Moi, je m'appelle Fabien. C'est un peu nul, hein. Tu dois être déçu de pas avoir Kaka dans ton nom, non? Pas de chance. Lui, c'est Fabien le coiffeur. Moi, je suis Karim le mécano. Ouais, je voulais m'appeler Kaka bien. Vous êtes un bon duo de joyeux luron, hein, on va rester poli. De joyeux quoi? Luron, ah, ça, c'est quoi ouais, un luron? Ah ouais, luron. Ouais, wesh, t'as 120 ans ou quoi? c'est vrai que j'ai beaucoup d'enfants et je suis vieux moi. Héros, on est dans Game of Thrones là? Je suis un ancien. si vous voulez parler, ça me dérange pas, mais venez plus un peu plus dans le quartier parce que dans le bingo. Ouais. Non, mais ma caisse, c'est je suis pas taxi, prends ta caisse, viens. Vas-y, conduis. Non, mais attends, mais. Oh, Kakarim, c'est pas que je t'aime pas, hein, mais je crois que t'es. tu t'as pas très bien compris qui était en. Bon, bref, je vais t'expliquer au quartier, c'est pas grave. Qui était quoi? Allez, je te mettrai une bonne note. Expliquer au quartier, c'est pas grave. T'as l'air d'être un mec sympathique, hein, mais on est pas trop faire copain avec des mecs qu'on connaît pas. Alors, on sait pas d'où tu viens. Dans ton quartier, frérot. Je t'ai dit, si tu veux parler, viens dans le quartier. Vas-y, viens, on va parler alors. J'ai pas dit, monte dans ma caisse, je suis un Uber Eats. Non, Uber Eats, ça a rien à voir, frérot, tu confonds.
Je sais pas, moi je me conduis tout seul, bref. Allo, c'est quoi? Rien, là, je discute avec les familles, c'est toi? Ok, tranquille, nous on tourne autour, du coup c'est quoi ton truc pour ce soir? Tu m'envoies une pause quand tu veux le faire? Il a pas ton temps, il a pas ton temps. C'est pour une location, s'il vous plaît. Attends, c'est Sanka? Pas Sanka, c'est son fils. Enchanté, Isaac. Ah, enchanté. La violence. Tu t'appelles Fabien? Ouais, je m'appelle Fabien. T'appelles Fabien? Oui, ça s'appelle Fabien. Ah, ok. C'est Fabien, non, mais je m'appelle Fabien, c'est trop nul, mais moi je suis un mec trop cool. C'est vrai que t'as l'air d'être un mec. Oh, monte ta tête, Sanka. T'es là, tu fais le mystérieux. Moi je monte pas ma tête. Ah, beaucoup de buffalo rouge là dans leur quartier là. Évite de lui parler comme si c'était ton pote. Kakari, mais. Ça va, tranquille. Tu veux qu'on te suce aussi? Oh, on peut se parler, Sanka, bien. Bah écoute, tu crois que je suis un bouffon, mais je suis pas un bouffon. Bah le problème, c'est que j'en sais rien, Karim. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, tu. On t'éloigne pas, toujours demi-tour. Tu fais n'importe quoi. Ouais, mais c'est ça. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'est pas écrit sur ton front. Moi, si tu veux faire des présentations correctes, bah fais-moi des présentations correctes. Pour moi, t'es Kakarim le mécano. Alors. Bah vas-y, retire ton masque. Non, mais écoute, on va faire les choses bien. Si tu veux, si t'as des choses à prouver, montre-moi, dis-moi qui t'es. En conséquence de ça, j'enlèverai mon masque. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis chez moi. Ça, tu vas prouver, tu crois que je suis qui? Tu crois que je suis Tony Montana, moi? Mais j'en sais rien, moi. Tu me dis, tu me donnes d'infos blase, machin. Mais non, je suis pas mouffon, mais c'est par rapport aux flics. Je voulais pas. On sait jamais, tu vois. Ouais, bien sûr, je peux comprendre. Mais encore une fois, tu fais ta vie, t'es en otage, tu fais ta vie, t'es sorti tranquille. Maintenant, t'as l'air d'être un mec tranquille, y'a pas de problème. Tu veux quoi? Tu veux voir ma gueule? Ouais. Mais pourquoi tu veux voir ma gueule? Qu'est-ce que je comprends pas? Bah, je sais pas, histoire de faire connaissance. Ouais, mais écoute, tu m'as dit, visiblement, tu vas donner ton vrai nom, c'est ça que tu viens de me dire. Bah, monte ta gueule et je te donnerai mon blaze. Alors, moi, j'aime bien faire les concours de devinettes, mais je te cache pas qu'actuellement, moi, ton blaze Karim, ça me va très bien. En plus, visiblement, quand t'appelles Karim, t'as l'air de kiffer. Bah, vas-y, Karim alors. Ok, quoi? C'est Ryan qui t'a dit de faire le braquage? C'est qui Ryan? C'est lui ou pas? C'est qui Ryan? C'est lui ou pas? J'ai jamais entendu parler d'un Ryan. C'est lui ou pas? J'ai jamais entendu parler d'un Ryan. Mais si jamais, dis-moi non, c'est pas lui. Mais si je te dis, j'ai jamais entendu parler, j'en sais rien, moi, si c'est lui. Non, c'est pas lui. Moi, j'ai fait mon bagage pour moi. Concurrence, tu connais. Ah, pour toi? Ah, je crois que c'était pour savoir ce qui est le plus fort entre les South et vous. Entre eux et nous, c'était un petit défi comme ça, tu vois. Entre eux et vous? Ouais. Ou c'est Ryan, il voulait savoir ce qui est le plus chaud. Mais je sais pas qui c'est Ryan. Vas-y, jure. Bah, j'ai pas besoin de jurer, je te dis que je sais pas qui c'est. Enfin, j'en connais des Ryan, tu vois, il y a celui qui tient le. Vas-y, viens, on va se parler en privé. Non, mais en vrai, regarde, joue carte sur table avec moi. T'as rien à perdre. Bah, ouais, le problème, en fait, Karim, c'est que si je savais qui t'étais, si t'avais. En fait, en gros, là, tu me fais comprendre que t'es quelqu'un d'important ou que j'aurais intérêt à dire des choses. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour moi, t'es toujours Karim le mécano. Bah, dis-moi, t'as quoi à perdre? Bah, le fait que peut-être de donner des informations à des mecs que je connais pas, simplement. Je t'ai rencontré il y a même pas 10 minutes sur une prise d'otage, je ne te connais pas. Si je ne te connais pas, je vois pas pourquoi je devrais donner des informations. Si demain. Eminem, calme-toi, respire. Oh, je parle juste très rapidement de base, hein, ça je le sais tout. Là je te sens entendu. Ah non, je suis très très calme. Je suis en pleine maîtrise là, y'a aucun problème. Ouais, man. T'en veux une? En vrai, non, parce que je devrais enlever mon bandana. Attends, mais c'était ma dernière. Ça m'intéresse de savoir comment vous bossez, c'est tout. Ouais, je peux comprendre, Karim. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, faut que tu comprennes un truc. Que j'ai un mec qui m'a demandé ou pas de faire quelque chose. Moi, je suis un mec professionnel. Ça veut dire que le jour où toi, t'auras du boulot à me proposer, où tu seras, entre guillemets, quelqu'un envers qui j'aurai des choses à donner, là, il y aura pas de problème. Là, actuellement, jusqu'à preuve du contraire, t'es juste un civil que je viens de rencontrer sur un braquage de banque. Tu connais le proverbe, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Sauf que je connais ni tes amis ni tes ennemis, Karim. Tant que je sais pas, je dis rien. Et je pense que demain, si un jour, imaginons, tu sois un mec qui pèse, tu me donnes une mission, tu serais bien content que je garde les choses pour moi, non? Écoute, je suis pas un mec qui pèse déjà. Bah voilà, parfait. Voilà, je suis pas un mec qui pèse maintenant. Je veux tâter le terrain pour savoir si la situation, tu vois. Genre, t'as qu'à te faire comme si j'étais un journaliste, tu vois. Genre, est-ce que, voilà, votre manière de travailler actuellement, comment ça se passe, la hiérarchie et tout, ça vous va ou est-ce que. Pas trop, tu vois. La hiérarchie par rapport à chez moi en interne, tu veux dire? Non, par rapport à l'externe plutôt. Mais à l'externe, pour le moment, moi, je suis en. Comment t'expliquer ça? Je suis en acclimatation. J'ai récupéré le quartier il y a que quelques jours, il y avait une descente. Je dois rénover, je dois aller mettre des gifs à tout le monde parce qu'ils ont 4 de QI constants tout ce temps qu'ils sont. Et voilà, un peu là, rien pour t'aider. Ouais, il y a du monde qui m'aide, ouais. Il y a la concierge, elle répare mes carreaux tous les matins. Et vas-y, arrête de parler chinois. Bah, je parle pas chinois, je parle américain, man. Bref, la rue, quoi. J'ai actuellement rien à dire à partir du moment où je sais pas qui t'es et ce que tu veux. À tout moment, tu vois, t'es là, tu fais le mec comme ça, tu fais l'idiot, t'as fait l'acteur dans la banque, tu peux très bien faire l'acteur et être un indic. En vrai, tu marques un point. Toi, t'es un businessman, toi. Ouais, c'est mon job, hein, de faire du business. Ok. Moi, tout ce que j'aime, ce qui me passionne le plus au monde, c'est la discrétion. Et limite, même par rapport aux autres membres de ton équipe, je privilégie la discrétion, tu vois. Moi, je vais te parler le bon carré. Toi, tu me parles chinois. Et moi, je suis pas comme toi, tu vois. Ramène-moi en face de moi le OG des Ballas, tu vas voir qui je suis. Ok, bah là, tu parles. Ok, bah vas-y, parfait. Je te ramène ça. T'as un numéro? 3704. C'est-à-dire maintenant, si j'apprends que ça circule, ça va mal se passer. Après, tu vois, alors ça veut pas dire que ça sera moi, je vais tous vous tuer. Ou tu vois, je suis pas dans ça. Juste. Évite. Évite quoi? De parler de moi. Mais je m'ai pas quitté. Ok, bah super. Et j'ai déjà oublié ce dont on vient de parler. T'es sérieux là? T'es Karim le mécano, non? Ouais. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, toi aussi. Parfait, okay. Je te rappelle. Allez, ciao les man! Allez, force à toi, Fabou. Merci les gars. Oh! Oh non, je suis trop con. Regarde ce mongol.
Bah alors s'il vous plaît, dépassez la voiture. En fait, pas les fils de pute, s'il vous plaît. Ah non, c'est une voiture familiste, hein. C'est une voiture de balas, t'es un fou. Je vais me faire les gars, non, montez. Oh, merci. T'inquiète, t'inquiète, beau gosse. T'as pas le droit. Bon, allez. Bon. Tu te rappelles de moi ou pas? Mais bien sûr, toi t'es l'otage fou. Ouais. Mais t'abuses, mais non, mais on était otage ensemble, c'est-à-dire on est ensemble. Bah ouais, mais c'est trop marrant ça. Bah vas-y, beau gosse. Non, mais les gars, non, s'il vous plaît, faites pas. Ouais, merci, voilà, libère-moi. Prends le. S'il te plaît. Oh, mais s'il te plaît. Mais s'il te plaît, en plus j'allais dire bon toutou que d'après que t'es même tu l'allais me libérer. Oh non, fais pas ça, s'il te plaît. J'allais pas dire bon toutou. Il allait le dire. Allez, ciao. Mais il est mignon ce balas là. Ouais, ça se voit, c'est un bon. Il est juste tombé dans le mauvais groupe. Vous voulez que je vous baise à faire ça devant le quartier ou quoi là? Oh là 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 là. C'est qui là? Je te vois, arrache ta main, arrache ta main. Ouais, c'est Simon, c'est Simon, ouais. Oula, par contre là, les balas ils sortent. Je crois que c'est. Il y a les balas ils sont au 4 doigts. Je suis certainement en train de faire une livraison. Tiens-moi au jeu. J'aimerais bien avoir le OG. Ah, tu veux avoir le OG? Ouais. C'est payé, tu te doutes bien. Ouais, ouais. Et tu te doutes bien que ça me met en mauvaise posture si je retravaille encore avec toi. Fais de manière anonyme. T'inquiète. Totalement anonyme. T'inquiète. Vas-y. Le 4x4 noir là que vous suivez par hasard, il va vers la plage ou pas? Il y en a un qui était parti vers la plage et un qui était parti vers la ville, ouais. Ok, là il y en a un à côté hôpital avec les deux trucs de fumée et tout le tralala. Ouais. Ouais, il est parking central, essaie de le surveiller pendant que nous on range un truc. On va essayer de les trouver. Okay. Yo. Wesh. Yo, vous roulez bien vite, monsieur. Ouais. Ça, yo, vous faites quoi vite. Vous avez peur? Vous êtes policier ou quoi, monsieur? Yo, non, je suis un mec du hood. Ok, ok, bah... Et vous êtes qui? Bah va dans ton hood, mais t'es gosse. Con ou quoi? C'est moi, c'est Karim le mécano. Yo, Karim le mécano. Moi c'est Howie. Quoi? Moi c'est Howie. 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 Ouais, Howie. Ça fait niquer par les cops. Un petit bloc de déplacement de côté de l'air. Ouais, putain. On est traîneur comme Neymar. C'est des putains de mongols, putain. Comment ça se fait? Yo, putain, parce qu'on a merdé sur le plan, putain. J'y arrive. J'ai paniqué. Yo, putain, je vais mourir. Yo, moi c'est Howie. Pas besoin de prendre. Comment tu l'écris? Cette véhicule, changez de véhicule, changez de véhicule. 0604. Moi c'est Howie. Bah vas-y à toutes. J'ai peur de personne. Comment ça à toutes? Je sais pas, comment on se voit. Yo, à tout à l'heure. Tu forces, Howie, tu forces. Yo, t'es pas le Howie. Je suis pas. S'ils dorment, ils sont en train de me chercher là. Ah là, incroyable. Ma parole, c'est vrai. Attends là, je vais chier derrière les poubelles. Vas-y. Descendez de vos camions là. Et ouais, je descends. Fou. Qu'est-ce que vous faites ici là? Je travaille. Non, mais c'est toi tout à l'heure. Écoute. Et je travaille. Tu travailles dans quoi? Je suis éboueur aussi. Je serais pas en train de te foutre de ma gueule. Mais gros, les temps sont durs, j'ai besoin d'avoir de faire de travail. Attends, mais vous êtes complètement bizarre. Vous avez vu un camion, vous l'avez braqué à la gueule. Comment ça, on est bizarre. On a juste vu un mec qui était dans un coin de la ruelle depuis tout à l'heure, il bouge pas. Ça te fait rigoler. Mais je me suis garé, j'écoutais la musique, je prenais ma pause. Ouais, non, mais ici, tu comprends, c'est chez nous ici. Il y a des blocs de chez nous, il y a de la famille, tu comprends, il y a la tantine d'à côté, il y a les petits qui passent dans les quartiers. Mais je suis normalement agressif. Non, mais y a pas de... c'est pas une question d'agressivité. Nous, on est agressif dans notre quartier, c'est comme ça qu'on revendique, tu comprends? Ok, c'est mais tout. Je travaille et là, je fais ma pause. Ouais, tu travailles, d'accord, mais si tu fais ta pause, y a pas de problème. Tu fais ta pause, tape ta meilleure clope. Mais vous m'avez fait peur, wesh. Fais ta meilleure branlette, même si tu veux. Mais fais pas ça dans une ruelle de chez nous. En bas, regarde, tu vois, là, y a la tente à Bobby au-dessus. Okay, mais faut bien que je ramasse les poubelles. Ouais, mais si t'as réveillé ma tente alors que t'es en pause, ça part en couille. Les gars, il faut que je ramasse les poubelles. C'est-à-dire, y'a des éboueurs qui viennent travailler chez vous. Ben, j'en fais partie. Je vais pas lui mentir que la plupart des éboueurs, gros, c'est des mecs du quartier. Y a mon oncle et les éboueurs. Tu connais Stan ou pas? Ouais, je le connais. Je suis sur la vie de ta mère, c'est ton collègue. La vie de ma mère, c'est mon collègue. Et bah, je vais demander, c'est quoi ton blad? Stan, c'est mon oncle, fais attention. Karim le mécano. Y'a plein de boueurs, frérot. Hein. Écoute, Karim le mécano, évite de prendre des pauses ici. Les gars, je travaille. Y'a pas que nous. Non, mais tu travailles. Mais, non, mais en fait, y a deux secondes, tu me dis une pause. En fait, écoute, j'entends, tu travailles, tu fais ton métier, y'a pas de soucis. Non, mais regarde. On est tous dans la galère. Là, mais vous avez pas une pause dans cette ruelle. Écoutez, genre là, je pense que vous êtes dans la mauvaise démarche psychologique. Genre là, vous avez fait une erreur. Ça y est, on passe à autre chose, mais faut pas mettre pression parce que je travaille. Mais je suis juste un éboueur. Tu voulais savoir machin truc, t'inquiète, quelqu'un qui arrive, tu vas pouvoir discuter avec lui, tu vas pouvoir parler la même langue. Parce que ça y est, là, quoi, je vais arriver. Ouais, Ryan, je te présente Karim, et Karim est quelqu'un de curieux, et comme moi je sais pas parler par rapport à ça, parce que je veux pas faire la snitch. Karim. Voilà, c'est Karim. Karim le mécano. Enfin, Kakarim le mécano, il m'a dit. KLM. Le mécano et boueur. Voilà, donc Kakarim m'a parlé, voulait savoir à tout prix qui c'est qui m'avait engagé pour la banque. Et n'étant pas une snitch, je lui ai dit que voilà. Et Kakarim m'a parlé d'un Ryan, je n'ai pas voulu donner son nom, mais comme je suis un mec de parole et que je prends pas dans le dos, voilà. Kakarim voulait savoir, et voilà. Allez, tue-moi, c'est pas possible, il va me tuer là. Mais pas ici. Non, par contre, laisse Kakarim tranquille et il m'a demandé, y'a rien. C'est juste là, comme. En fait, si, là, il va me tuer. Il va tuer. Merci de m'avoir tué. Ouais, tu viens de le tuer. On a des choses à faire, nous, salut. Pour ça, je viens de le tuer officiellement de quoi? T'es un petit passif, en fait. Tiens, mon téléphone, ma radio, mon arme. On fait quoi du coup? Bah, tu veux me tuer où? J'ai toujours pas compris. Non, pas ici. Ouais, t'inquiète pas. Et y'a ma tante, tu vas lui faire peur. En plus, Kakarim, je veux pas de mur sur la conscience. Ça y est, moi, je veux juste que ça se règle là.
là, je veux juste pas que des histoires bizarres. Y a pas d'histoire comme ça. Il a pas parlé mal en toi de toi. Il a juste dit, il voulait savoir ce qui s'était passé. Il est curieux. Ah bah, écoute, ça, tu m'as dit que je devais pas travailler avec les gens avec qui tu travailles. Je voulais savoir si tu travaillais pour toi. Bah. Est-ce que t'es un éboueur? Dis-moi la vérité, Kakarim. T'es un éboueur mécano ou pas? Du coup, si un éboueur mécano ou pas? Je suis un éboueur mécano. Il a dit qu'il travaillait avec mon oncle. Mais ton oncle Stan. C'est toi qui m'as dit de pas travailler avec les gens avec qui tu travaillais. Ouais. Et ne cherche pas à trop en savoir non plus. J'essaie de voir s'il y a des gens qui travaillent pas pour toi. Tu restes un espoir. Bah, je vais continuer à chercher alors. T'as ramassé les poubelles ou pas? Dis-moi que tu les as ramassées. Pourquoi? Parce que je suis pas éboueur. Bah, tu peux aussi. Moi, j'ai cru que t'es venu ramasser les poubelles. Il est pas. C'est invivable. Frère, je cherche de toutes mes forces. Hein, et je sais pas comment je peux faire de l'illégal en fait. Si dès que je parle avec quelqu'un, il appelle Ryan, frère. Les petits ont brassé, il faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.